Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de réussir une bataille dans les détours. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une faille de détour. Alors ces failles, elles apparaissent par 3 sur la map de Fortnite. Il y en aura toujours 3 parce que dès qu'une faille est terminée, une autre réapparaît dans la zone. Donc en fait, vous avez juste à regarder votre carte et ensuite vous diriger vers l'une des 3 failles qui sont indiquées sur la carte. Quand vous avez trouvé cette anomalie, il faudra que vous vous approchiez d'elle pour que justement vous soyez renfermé dans une sorte de dôme où il y aura blindé de petits monstres qui vont vous attaquer. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de remplir complètement la barre au-dessus de l'écran. Donc vous allez devoir tuer un maximum de zombies. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer sur le boss des monstres. Dès que vous allez tuer le boss des monstres, vous allez voir que ça va remplir la jauge au-dessus de l'écran, au moins à la moitié, voire presque les 3/4. Ensuite, vous aurez plus qu'à tuer les petits monstres pour remplir entièrement la barre. Et là, si vous y arrivez, vous aurez terminé le défi. Et vous allez pouvoir récupérer une meilleure arme parce que vous aurez réussi à terminer entièrement ce petit défi. Donc voilà comment vous allez pouvoir réussir ce défi. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.